Nous avons tous beaucoup en commun, surtout quand c'est une mauvaise journée pour tes cheveux. Oui, comme ça, mais pas de panique. Nous avons plein d'astuces beauté pour embellir tes journées. Bella n'est toujours pas là, hein? Ah, c'est bien. Elle devrait bientôt arriver, non? Encore 10 minutes? Bon, je commence. Oh oui. Alors, tu en penses quoi? C'est la photo dont je me suis inspirée. Il a fallu 2 heures pour l'hélisser. Et elle me disait, tes cheveux sont super épais. Mais c'est plutôt mignon, non? Il y a quelque chose qui cloche. Oh mon Dieu! C'est un cheveu géant! Ça ne vient pas de ma tête, si? Je vais être malade. Il y en a partout. Il fallait que tu en mettes dans mon assiette. Tu sais à quel point c'est dégoûtant. C'était un accident. Ah! Je suis désolée, d'accord? Il ne reste qu'une seule chose à faire. Fais une queue de cheval. Tu pensais que j'allais dire quoi? Avec un twist, ses cheveux seront tirés vers l'arrière. Ensuite, fais un autre tour avec le chouchou. Et ajuste les cheveux à ta guise. Ton chignon est bien fait. Super, non? C'est encore plus mignon, là! Maintenant, on n'a plus qu'à commander une autre salade. Dégueu! Ce truc est vivant ou quoi? Une seconde de plus et ça m'aurait mordu. Oh, ce test est plus dur que je ne le pensais. Et fatigant. Une soirée ce soir? Oh! Lily n'est pas prête à sortir. Quoi? Définitivement pas. Mais peut-être qu'avec un petit coup de main... Bella? Qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? C'est l'heure du maquillage, Lily. Commençons par ton visage. Tu as trempé dans du gras de pizza? Pas de panique, je sais quoi faire. Allons-y. Ne jamais sous-estimer un bon contouring. Et quelques taches de rousseur. Que penses-tu de ton nouveau look? J'avais presque oublié tes cheveux. J'ai trouvé! Oublions ce chignon. Je pense à des tresses. Commençons par une tresse au-dessus de l'oreille. Et quand tu es par là, fais remonter la tresse comme ceci. Puis étire-la encore un peu et sécurise avec une barrette. Maintenant, passons à l'autre côté. Parfait! Alors, c'est pas joli? J'avais oublié ce test! Comment tu as fait ça? Maintenant, on a la même coiffure! On ferait mieux d'y aller. Il est temps de tenter une bonne vieille pédicure maison. Je sors ça et je vais préparer mes orteils. Tu penses que j'aurais l'air mignonne avec des boucles? Il n'y a qu'une seule manière de vérifier, non? Voilà une méthode! Oh non! C'est coincé! Mes cheveux! Ils sont tout emmêlés! Qu'est-ce qui cloche ici? Tu permets? Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Je suppose que je pourrais essayer une autre méthode. Je vais prendre mes cheveux. Puis les enrouler autour d'un chignon. C'est difficile d'attacher le tout. Là! Oh mon Dieu! Ah! Qu'est-ce qu'il y a sur le haut de ta tête? Juste un nid d'oiseau, c'est tout. Est-ce qu'elle va réussir à s'en sortir? Peut-être que je peux faire des tresses? Ça ressemble à quoi? Pas à grand-chose, si. Comment est-ce arrivé? Hé! Hey! Je peux finir cette satanée pédicure? Prends ça! Ce n'est pas de ma faute!
mais je crois que je peux en faire quelque chose. Mets une mèche de cheveux sur le côté, puis passe-les dans les séparateurs. Tu peux t'en servir comme guide pour faire tes tresses. C'est bien plus simple que les faire à la main sans aide. Commence simplement de l'extérieur. Continue. Et poursuis ta tresse tout le long. Un de plus. Et maintenant, l'élastique. Fais quelques tours pour t'assurer que ce soit bien serré. C'est super mignon! Et dire que j'ai fait ça avec ce truc. À plus! Ne t'énerve pas! Oh! Allez, encore 2 points de plus! Tu gagnes, mon ange? Tu es là? Allô? Je te vois. Pourquoi il ne me parle pas? Qu'est-ce que tu fais, Lily? Bon, je vais demander ton attention dans ce cas. Pas touche aux cheveux! Toi et tes cheveux. Mes élastiques. Il est temps de reprendre le contrôle. Je n'ai même pas mis mon jeu sur pause. Je ne peux plus bouger mes bras, Lily! Maintenant que j'ai toute ton attention, je pense que je vais te faire une petite coiffure. Prends des cheveux et entortille-les bien serrés. Cela devrait naturellement boucler les cheveux comme ceci. Puis sécurise le tout et passe à une autre mèche de cheveux. Sécurise de la même manière. Maintenant, passe un bon coup de laque partout. Après 1 minute, retire les élastiques. Allez, le petit dernier. Oh, ça a l'air génial. N'es-tu pas chanceux de m'avoir? Comment tu as obtenu autant de volume? Laisse-moi prendre une photo pour Insta. Ne fais rien tomber, ne fais rien tomber! Nous y voilà. Je vais commencer avec une bonne base. Oh oui, un joli teint bien frais. Superbe! Et ensuite, il me faut de longs cils. Tu vois la magie opérée? Et ensuite, un petit peu de couleur sur les lèvres. Cette nouvelle couleur n'est-elle pas à croquer? Jolie comme un cœur. Je ne dois pas oublier mon parfum signature. Génial! Oh, je ne dois pas oublier les cheveux. Ou peut-être que j'aurais dû… Je ne peux pas sortir comme ça! Je ne sais pas si la chaleur va arranger les choses. C'est pire encore! Je ressemble à un lion enragé! Faisons cela. Bon. Oh! Ça ne fait qu'empirer! Il n'y a rien à faire. Qu'est-il arrivé à tes cheveux? Tu me tiens ça 1 seconde? Je dois juste en mettre dans ma salade. Tu en veux? Du vinaigre de cidre? Bien sûr! Mets-en un peu sur ton crâne et masse comme un shampoing. Cela devrait démêler ma crinière. Et maintenant, sur les longueurs. Ce truc fait des merveilles, hein? Regarde comme ils sont doux et soyeux. Oui, je suis une magicienne des cheveux. On se voit plus tard, d'accord? Tout ça grâce à ça? Tu penses que ces astuces capillaires vont te sauver d'une situation embêtante? Applique nos conseils et dis-nous comment ça se passe pour toi. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis pour que leurs cheveux soient aussi beaux que les tiens. As-tu déjà vu ces vidéos? Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour voir nos nouveautés.